Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction au tout nouveau titre de AB6 avec Salute. Alors la dernière fois que j'ai réagi à AB6, je sais même plus quand c'était tellement ça remonte. Franchement, AB6, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas réagi à eux parce que je sais qu'il y a une période où ils ont tous sorti des chansons solo. Donc ils ont fait des MV et tout ça, mais ça j'ai pas réagi à ça. Et après, je sais pas s'ils ont sorti d'autres chansons, je crois que oui. Après les solos, il me semble qu'ils ont sorti autre chose, mais je sais pas pourquoi j'ai pas réagi. Enfin, en tout cas, ça fait une éternité que je n'ai pas réagi à ce groupe, donc là, on y revient tout doucement, n'est-ce pas? On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent et que vous souhaitez me soutenir. N'hésitez pas à liker cette vidéo à la fin si jamais elle vous a plu, et n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous pour me dire tout et n'importe quoi par rapport à ce comeback ou pas, c'est vous qui décidez. Et écoutez, on va tout de suite commencer cette vidéo. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh là. Donc on commence avec des tambours. Un peu genre, vous savez, militaire. Oh. Oh, c'était des oui. Oh, Woojin. Waouh. Avec les tenues genre, ça fait très prince ou casse-noisette. J'aurais voulu. Il était topless en dessous de son espèce de. Wow! Là! J'ai pas rêvé. C'est un espèce de humbug en plus. Oh! Salut. Salut. Depuis quand il rappe? Il rappait pas avant, on est d'accord? Et je disais, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ils sont en espèce de. Des fois, ils sont en habit de scream. Attendez. C'est parti. Solo. Waouh. Et en fait, j'aime beaucoup le contre. Enfin. Oh, aïe, aïe. Woojin avec ses cheveux noirs et cette coupe. Supérieure. Hey. Voilà, donc des fois ils sont en escrime et des fois ils sont comme ça là, on a dit un peu princière. Et ils intervertissent un peu les rôles dans leurs actions. Waouh. Même des oui avec cette coupe-là, ça lui va très très bien. Waouh! Ok, les gars, et ben je peux vous dire que pour un comeback de retour après un long
sans avoir réagi à rien, parce que c'est pas qu'ils ont rien sorti, c'est juste que c'est moi qui ai pas réagi à leur comeback, soit parce que c'était un moment où il y avait plein de comebacks et où je me suis retrouvée un petit peu débordée par les événements et du coup j'ai pas pu réagir à tout le monde, c'est possible, ça m'arrive de temps en temps, des groupes que normalement, auxquels normalement je réagis et au final il y a certains comebacks que je loupe parce que je peux pas tout faire. Donc c'est possible que ça soit ça, mais je peux vous dire qu'après un très là, je vous assure, ça doit faire au moins un an que j'ai rien vu par rapport à eux, je vous promets. Franchement, waouh, c'est une chanson super pour un comeback, elle est puissante, il y a des détails qui rendent le truc, vous savez, je l'ai déjà dit, dans plusieurs autres réactions, mais pour la plus récente, c'était par rapport à Jungle de CIX. Où pareil, ils font le même type de run. Et après, ça part au refrain, genre instrumental, on va dire. Et là, ils font pareil avec Salut, avec une voix super grave. Et après, on part dans le refrain aussi, hyper puissant. J'aime beaucoup quand des groupes font ça. Je sais pas, j'adore, ça rend le truc hyper intéressant parce qu'en fait, avec ce genre d'effet, quand ils rajoutent ça, tu t'y attends jamais, en fait. Et forcément, comme tu t'y attends jamais, ben quand ça se produit, c'est... Et puis en plus, je sais pas, c'est avec une voix toujours super grave, super sexy. Voilà, donc ils ont rajouté ça, c'est trop bien. J'aime beaucoup l'idée des tambours parce que du coup on a l'instrumental aussi avec des tambours et je trouve ça très intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment très régulièrement. Là le seul à qui je peux penser avec ce genre de tambour, bah, c'est ON de BTS qui ont pareil aussi des tambours qu'ils incluent dans leur chorégraphie et tout. Là pareil les tambours sont vraiment bien montrés tout le long. Mais en plus de ça, on les entend. Pareil, les parties chant sont vraiment bien. Les parties rap. Mais alors, par contre, j'ai un gros. Ils chantent d'habitude. On est d'accord qu'il ne rappe pas d'habitude. C'est pas un rappeur. Enfin, en tout cas, ici, il n'a pas une position de rappeur. On est d'accord qu'il chantait dans les autres chansons. Parce que là, il a rappé et j'étais... Et au départ, ça m'a pas perturbée. Et après, je me suis dit, mais attends, c'est Dewi. Dewi, c'est pas censé être un chanteur. Donc, je suis sûre à presque à 100% que Serge, il chante normalement. Mais oui, parce que dans les autres chansons dont je me souviens, il fait les refrains et tout ça, il chante normalement. Le rap de Dewi... On est d'accord qu'il rappe super bien. Franchement, parce que des fois, c'est... Et encore... J'allais dire que des fois, quand des chanteurs se mettent à rapper, c'est pas terrible, parce que c'est pas leur spécialité. C'est pas comme ça qu'ils ont été entraînés, et je veux dire, c'est vraiment distinct le rap et le chant. C'est pas du tout les mêmes techniques d'apprentissage, c'est pas du tout la même chose. Donc, quand des chanteurs se mettent à rapper, des fois c'est pas terrible parce que ben le rap faut quand même avoir un certain flow, il faut quand même avoir un certain débit de parole, la respiration et tout ça, c'est compliqué, c'est pas du tout la même chose que pour le chant. Du coup c'est pas terrible, et pareil dans l'autre sens, hein, des rappeurs qui se mettent à chanter, c'est même pire dans ce sens-là. Quoique, justement, des fois tu peux avoir d'excellentes surprises avec des rappeurs. C'est des dieux les mecs et ils se mettent à chanter. Tu soupçonnais même pas qu'ils pouvaient chanter aussi bien. Littéralement, t'as des artistes, tu pourrais les mettre à n'importe quelle position, ils seraient parfaits dans les deux. Donc pour en revenir à nos garçons, je suis vraiment grave impressionnée parce qu'en fait, ce garçon, même si personnellement, oui, je l'ai peut-être déjà dit ou je sais pas trop, c'est que mon avis personnel, mais dans sa personnalité, je suis pas trop fan. Par contre, niveau artistique, j'ai rien à redire. Le mec, il est compositeur. Il est hyper jeune, hein. Il a quoi? Il a 20 ans, maintenant?
Parce qu'au moment de Wanna One, il n'avait pas genre 18 ans ou quelque chose comme ça. Il doit avoir une vingtaine d'années là, une toute petite vingtaine d'années. Le mec, il est compositeur, danseur, interprète, chanteur, rappeur. Le mec, il sait vraiment tout faire. Niveau musical, artistique, là, j'ai rien à dire par rapport à ça. Je suis vraiment très très admirative de son travail, surtout par rapport à son âge. C'est incroyable. Et du coup, j'ai été grave surprise par le rap de Dewi. Donc, vraiment, les parties rap, super, parce qu'en plus de ça, on nous met une grosse surprise dont on ne s'attend pas du tout. Donc, vraiment, big up pour ça. Vraiment, c'était un comeback super intéressant. Les tenues étaient magnifiques, en espèce de vraiment, ça faisait très tenue princière ou alors de casse-noisette. Je les ai trouvées splendides, super super beaux. J'ai bien aimé aussi, il y avait des moments où ils étaient habillés en escrime et en fait, il y avait tout un jeu entre, vous savez, les bâtons des tambours et les épées de l'escrime. C'est comme s'ils jouaient deux rôles en même temps. Et que les rôles étaient interconnectés. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc pour tout dire, ce comeback était vraiment, vraiment, vraiment super. Donc bah voilà, écoutez, c'était ma réaction à ce tout nouveau titre de AB6 avec Salute. Salute, ils le disent comme ça, eux. Donc, maintenant que vous avez regardé cette vidéo en entière, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas toujours à vous abonner à mes vidéos. Pas du tout, c'est toujours pas à mes vidéos qu'il faut s'abonner, mais à ma chaîne. Si vous voulez voir toutes mes vidéos et que vous voulez être au courant dès qu'une vidéo sort, n'hésitez pas toujours à commenter juste en dessous pour me dire vous ce que vous avez pensé de ce comeback. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Eyes on dry, salute. Oh, yes, let me. Bra-ta-ta-ta, salute.